bonne nouvelle pour quelqu'un maintenant. La bonne nouvelle pour quelqu'un maintenant. The good news for someone this morning is pendant that cette louange. By this praise. Pendant cette louange. During this praise. Le Dieu qui guérit. The God that healed. Est descendu au milieu de nous. Has come down before in our midst. Il est là pour te faire du bien. He is here to do you good. Alors lève ta voix maintenant là où tu es. So lift up your voice where you are. Célèbre-le. Celebrate him. Magnifie-le. Magnify him. Glorifie-le. Magnify him. Plus il le loue. The more you praise him. Plus il agira pour toi. The more he will act in plus your life. Plus il élève. The more you elevate plus him. Plus il mettra rapidement fin. The more he will put an end. À tout ce qui ne va pas dans ta vie. To all that is not going well in your life. Père, reçois la gloire. Father, receive the glory. Père, sois célébré. Be celebrated. Toi, le grand médecin. You are the great physician. Toi qui es au milieu de nous. You that is among. Toi qui guéris ton peuple. That you are healing your people. Sois célébré. Be celebrated. Ta présence nous suffit. Your presence is enough for us. Pour guérir quelqu'un aujourd'hui. To heal somebody. Louange à toi jamais. Louange à toi jamais. A praise and honor to you forever. Il guérit aussi par sa parole. Il guérit aussi par sa parole. He healed through his word. Alors demande que la parole vienne vers toi maintenant. So ask your word. La ask parole qui va te guérir. That word that will come and heal you. Juste une parole. Just a word. Et je serai guéri. And you will be healed. Père, envoie ta parole. Father, send us your word. Chaque matin, le peuple se réunit à tes pieds. Every morning, people gather at your feet. Pour entendre ta parole. To receive your word. Celle qui guérit. The word that healed. Merci Seigneur. Thank you Lord. Pour ses parents envoyés au premier service. For the word you sent to us in your first service. Au deuxième culte. And in the second service. Et ce qui vient maintenant. And that which is coming now. Et ça célébrer encore à jamais. Let your name be celebrated forever. Pour les guérisons qui continuent à s'opérer. And that you continue to walk. Au nom précieux de Jésus. In the mighty name of Jesus. Nous avons ainsi célébré. We have celebrated. Avec acclamation. With clap of praise. Élève-les encore. Et assieds-toi dans ta guérison parfaite. Amen. Amen. Louange soit donnée à l'Éternel. Glory be to God. Je suis enfin sur mon palais de la vie. I am finally on my covenant ways of life. Avant toute chose. Before everything. Nous sommes dans le 11e mois. We are in the 11th month. Nous sommes aussi dans l'opération de la 11e heure qui change notre histoire. We are also in our 11th hour change of story. Si personne ne l'a remarqué aujourd'hui. And today, en ce même mois, in this very month, ça fait deux fois en cinq ans de pastorat en it, plein temps. It is the second time in 20. De pastorat en plein temps. 5 years of full pastoral ministry. Que la grâce de Dieu me fait monter ici. That the grace of God has made me to climb here. Je rends toute la gloire à ce Dieu-là. And I give all the glory to this God. Parce qu'il a fait dans le 11e mois de changement d'histoire. Because he has done it in the 11th month of change of story. Par le serviteur de Dieu qu'il a choisi pour nous donner cette grâce. By the servant of God that he has chosen. Je déclare pour quelqu'un ce matin. And so I return all the glory to him. Cette 11e heure. This 11th hour. Te donnera au moins deux témoignages. Will give you a testimony at least. Que gloire soit donnée encore à Dieu Tout-Puissant. And let glory be returned all et merci à son serviteur qui m'accorde cette grâce-là. Merci, papa. And for his servant that he has installed in this house, I say thank you, Father. Il a été dit pour nous depuis le premier service. He was said in the first service. Que le Dieu qui guérit. That the God who healed. Jésus-Christ, le grand médecin. Jesus Christ, the great physician. Lui-même en personne. He himself. Il est là au milieu de nous. He is here among us. Et Jésus-Christ. And Jesus Christ. Et c'est Dieu qui guérit. He who healed. On l'appelait grand médecin. And they call him the great physician. Parce qu'il ne fait pas la main des humains. Because he do not operate with the hands of men. Il guérit, c'est vrai. He heals, yes. Mais c'est pas la guérison qui est seulement son propre. But it is not the healing that is his only one. C'est la santé parfaite. It is the total health. Mais quand tu ne l'as pas enfin. But when. Quand tu n'as pas la santé parfaite. When you do not have a perfect heart. Alors il a mis la provision pour toi. So there is a provision for you. Pour pouvoir avoir maintenant la guérison totale. To have total health. Tel sera ton partage ce matin. That will be your portion this morning. Dans Jérémie. In Jeremiah. Le chapitre 8. From chapter 8. 19 à 22. From verse 19 to 22. Nous voyons comment il s'écrit lui-même. You see how he described himself. Il s'écrit, il crie.
Comment se fait-il? He said, what can we do? Que dans la famille des vainqueurs, that in the family of winners, il y a encore des malades. There are still sick people. Comment se fait-il encore? How can it be? Que dans la famille des malades, des vainqueurs, in the family of winners, il n'y a pas de délivrance. There is no deliverance. Mais cela changera ce matin. But that will change this morning. Parce qu'il est là pour le faire lui-même. Because he is here to do it himself. Comprenons-nous-mêmes. Understanding him. Que quand nous parlons de Jésus-Christ, le grand médecin, when we talk of Jesus Christ, the great physician, c'est parce que l'Église du temps de la fin, it's because the church of the end time, l'Église aujourd'hui, the church of today, est ordonnée de marcher dans la domination, is ordained to walk in dominion, y compris la domination sur les maladies et les infirmités. To operate in dominion over sicknesses and infirmities. Daniel chapitre 7, Daniel chapter 7, 25 à 27. From verse 27 to Daniel 20, 7, 25 to 27. 25 à 27. 25 to 27. La domination est donnée au peuple de Dieu. La domination est donnée au peuple de Dieu. The dominion is given to the people of God. Somme chapitre 110. Psalm 110. Et à toi. From verse 1 to 3. Assieds-toi dans ma maison. He says, sit thee thou in my house. Et à ma droite. And at my right side. Tu sortiras de là. And will come out of it. Avec la domination sur la maladie et l'infirmité. With dominion over sickness. Reçois la domination là maintenant. Receive it now. Esaïe 33. Isaiah chapter 33. Le 24. To verse 24. Qu'aucun membre de la famille des vainqueurs. No member of the family of winners. Ne dise que je suis encore malade. To say I am sick. Esaïe 33, 24. Isaiah 33, verse 24. Tu sortiras de ce culte. And Jesus said. Tu sortiras de ce culte. You will go out of this place. Et tu ne connaîtras plus jamais la maladie. And you will never miss sickness Jérémie again. Jérémie le chapitre 30. Jeremiah chapter 30. Le verset 17. From verse 17. Parce que toi tu me sers. Because you serve me. Parce que tu es venu à ce culte de rendez-vous. And because you have come to this appointment. Pour y rencontrer avec le grand médecin. To meet the great physician. Il a dit que je te guérirai. He said I will heal you. Je penserai te plaire. He said I will heal Et your je vais wounds. Te restaurer. And you will be restored. C'est ce que tu reçois ce matin. And it is what you receive this Et morning. Tu dois savoir que les armes avec un combattant and you need to know that the weapons of our warfare ne sont pas charnelles. They are not carnal. Ce sont les armes qui agissent spirituellement d'abord. But they are spiritual weapons. Et dans les effets physiquement. And that it has physical effects. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapter 10. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapter 10. 3 à 6. From verse 3 to 6. 3 à 6. From verse 3 to 6. Sachant aussi. Knowing that. Que ces âmes ont été éprouvées à travers le temps et les siècles. That you. Ces âmes ont été reconnues. That these armors were known. À travers les siècles, les temps passés. Known in circles to the past. Qu'elles sont efficaces. That they were effective. Et elles agiront pour toi aussi. And it will be effective also for you. Genesis. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, Adam and Eve were in the garden, ils n'ont pas connu la maladie. They never knew sickness. Parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Because they were in the presence la of présence God. Du grand médecin the presence of the great physician ne peut pas permettre à un micro de venir. Cannot permit a microbe or a disease. Ne peut pas permettre à une maladie d'être présente. Could not permit a sickness to be present. Voilà pourquoi il est là encore aujourd'hui. That is why he is here today. Alors qu'une maladie ne va échapper à son jugement. So no sickness will escape his judgment. Et Genèse au début de la Bible. Genèse est le début de la Bible. Is the beginning of the book. Apocalypse of the Bible. Est la fin. And Revelation is the end. Apocalypse chapitre 22. Revelation chapter 22. Le verset 2. Verse 2. Il dit dans ce jardin là. He said there. Il y a un arbre. That there, in that garden there is qui donne a tree, son fruit à chaque mois. And that gives its fruit every month. Et ses feuillages. And his leaves. Servent à guérir les enfants de Dieu. And make to heal the Alors, children of God. Du début de la Bible. From the beginning of the Bible. À la fin de la Bible. To the end of the Bible. Je souhaite que tu sois en bonne santé. God wants you to be in good health. Tu ne sortiras pas ici à cette maladie là. God don't want you to live in that sickness. Cette infirmité te laissera en paix. That infirmity will leave you in peace. Selon la prophétie, according to the prophecy, qui a été annoncé, that was announced, Jésus-Christ est reconnu comme le grand médecin. Jesus Christ is known as a great physician. Lui-même l'a dit dans Matthieu le chapitre 9. He himself said in Matthew chapter 9. 13 à 15. From verse 13 to 13 to 15. Matthieu 9, 13 à 15. Matthew chapter 9 from verse 13 to 15. Le verset 12. Le verset 12. Verse 12. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien. It's not those that are well. Qui ont besoin
du médecin. That needs a doctor. Mais les malades. But the sick. Et il dit au 13. And he said in 13. Quand je ne suis pas venu. When I have not come. Pour appeler ceux qui sont justes. I have not come to call those who are righteous. Ou en bonne santé. But ou en bonne santé. Who in good health. Mais c'est les pécheurs. But I've come for sinners. Ceux qui sont des malades. And for the sick. Ce Jésus est là ce matin pour toi. So this Jesus is here for you Matthieu this morning. 4:24. Matthieu 4 verse 24. Il est reconnu comme ça. He know that. Et partout aux alentours. And everywhere. Sa renommée a attiré les gens. He was drawing people to himself. Matthieu 4:24. Matthieu chapter 4 verse 24. Ceux qui souffraient. Those that were in suffering. Des maladies. That were oppressed. Et des douleurs. Sickness, in pain. De divers genres. And diverse sorts of sicknesses. Des démoniaques. And demons. Des lunatiques. Lunatics. Des paralytiques. Paralyzed people. Et il les guérissait. And he healed them. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. He is the same yesterday, today, and forevermore. Hébreux chapitre 13, 8. Hebrews chapter 13, verse 8. Ce même Jésus est là aujourd'hui. That same Jesus is here today. Il t'accordera la santé avant que tu ne sors de là. Will give you health before you leave here. Il est le chirurgien. He is the great surgeon. Pourquoi est-ce qu'il est chirurgien? Pourquoi est-ce qu'il est chirurgien? Why is he a surgeon? Il peut créer l'œil avec la boue. He opened the eye with mud. Il est le nutritionniste. He is a nutritionist. Il peut donner son sang et sa chair. He can give you his comme aliment à consommer. His flesh and blood. Il est généraliste. He is a generalized il doctor. Guérit toutes sortes de maladies d'infirmité. He heals all types of sicknesses. Et il ne réfère un cas impossible à un autre médecin. He can give. He does not refer any other person to another doctor. Il est aussi spécialiste. He is a specialist. Il purifie même. He purifies. Même les lépreux. Even leprosy. Le corps. Body. L'âme. Spirit. Et l'esprit. And soul. Il est des diététiciens. He is a dietist. Il donne aussi à celui qui n'en a pas. He gives to those who do not have. Le vin qu'on lui donné à Cana. Le vin à Calunos de Cana. The wine in the marriage in Cana. Il est ophtalmologue. He's an ophthalmologist. Il ouvre les yeux des aveugles. He opened the eyes of the blind. Tes yeux s'ouvrent là maintenant. Your eyes will open now. En clair. In clear words. Le baume de Galade. The balm of Gilead. Est la parole de Dieu. Is the word of God. Somme le chapitre 107. Psalms 117. Le verset 20. 107. Somme 107. Psalms 107. Le verset 20. From verse 20. Il envoie sa parole. He sent his word. Et la parole guérit. And his word heals. La parole vient vers toi maintenant. The word you are receiving now. Reçois ta guérison. Receive your healing. Il envoie sa parole. He sent his word. Et il m'a fait à tous ça des maladies d'infirmité. And he cleansed every infirmity. Reçois ton partage maintenant. Receive your portion now. Matthieu le chapitre 8. Matthieu chapter 8. De 8 à 10. From verse 8 to 10. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapter 8. De 8 à 10. From verse 8 to 10. Le centurion. The centurion. A dit à Jésus. Told Jesus. Pas besoin que tu viennes chez moi. Say you do not need to come to my house. Juste une parole. C'est juste word. Tu reçois ta parole là maintenant. And you are receiving your word now. Dès que la parole était envoyée. And when the word was sent. Le serviteur instantanément a reçu la guérison instantanément. The servant of the centurion received his healing instantly. Ta parole que tu as demandé ce matin. That word that you are asking this morning. Elle vient vers toi maintenant. Is coming to you now. Reçois ta guérison instantanément. Receive your healing instantly. Matthieu le chapitre 4. Matthew chapter 4. Le verset 23. From verse 23. Jésus enseignait. Jesus was teaching. Dans les synagogues. In the synagogue. Dans la Galilée. In Galilee. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. He was preaching the good news of the kingdom. Et il guérissait toutes les maladies. And he was healing all sorts of illnesses. Et toutes les infirmités au milieu du peuple. And every infirmity that was in the people. Jésus est là par sa parole maintenant. And he is here by his word this morning. Reçois ta guérison. Receive your healing. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset 9. From verse 9. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Le verset 9. Verse 9.
Tu es le chant de Dieu. You are the feel of God. Tu es le chant de Dieu. You are the feel of God. Et Matthieu chapitre 13. And Matthew chapter 13. Le verset 28. Verse 28. Et dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? He said, what happened? Il dit, c'est un ennemi qui est venu se me livrer. It is the enemy that has come and saw me. Ton corps est le chant de Dieu. Your body is the, mais is the feel of God. L'ennemi est venu se me la maladie. And the enemy will come and sow sickness. Il a semé l'infirmité. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Le verset 13. Verse 13. Matthieu 15. Matthieu 15. Le verset 13. Verse 13. Il dit toute plante. He said any plant. Toute plante. Any plant. Que mon Père céleste. That my heavenly Father n'a pas planté dans ce corps. Has not planted in this body. Sera déraciné ce matin. Shall be uprooted in the name of Jesus. Et cela sera ton cas ce matin. And that will be your case this morning. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset 16. From verse 16. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 3. 16. Verse 16. En même temps que 1 Corinthiens. At the same time. 6, 19. And with the 1 Corinthians 6, verse 19. 1 Corinthians 6, 19. As 1 Corinthians 6, 19. Les dieux te disent que tu es le temple du Saint-Esprit. The Bible says you are the temple of the Holy que Spirit. Que tu es la maison du Dieu vivant. And that you are the house of the living God. Et mais Luc chapitre 19. And in verse 19. Luc chapitre 19. Luke chapter 19. Verset 46. From verse 46. Luc 19. Luke 19. 46. 46. En même temps, Marc 11, 17. In the same time, Mark 11, 17. Marc 11, 17. Mark 11, 17. Dit qu'on a transformé ce temple de Dieu. He said they transformed this temple of God. À une caverne de voleurs. Into a place of thieves. A den of thieves. Une caverne de voleurs. A den of thieves. Et ces voleurs seront expulsés maintenant. And these thieves are going to be sent out in the name of Jesus. Pourquoi est-ce que je le dis? Pourquoi est-ce que je le dis? Why do I say so? Jean 10, 10. John 10, 10. Le voleur. The thief. Là, je ne dis pas que le diable. Then we're talking of the devil. Il ne dit pas le diable. He does not say the devil. Il ne dit pas Satan. He does not say Satan. Mais il l'appelle comme un voleur. He called him the thief. Dis à Satan là que tu es voleur. Tell the devil that you are a thief. Parce qu'il a volé la santé de quelqu'un. Because he has stolen the health of somebody. Quand le voleur est saisi. When the thief is caught. Il rendra le septuple. He will give it a hundredfold. Ta santé sera restaurée maintenant cette fois. So your health will be restored hundredfold. Le diable vient que pour voler. Le diable ne vient que pour voler. The devil comes to steal. Voler ta santé. Heal your heart, steal ta your vitalité. Heal your voler. Voler ta vitalité. Steal your faith, your fruitfulness. Vitalité. Your vitality. Ta joie. Your joy. Ton harmonie. Your harmony. Ta paix. Your peace. Mais cela sera restauré ce matin. That will be restored this morning. Pourquoi dans le même chapitre? Le même verset, Luc. In the same verse, Jean 10, 10. From John 10, 10. Jésus dit que lui, il est venu. Jesus said, I have come. Pour te restaurer. To restore you. Pour te restaurer. To restore you. Reçois ta restauration. Receive your restoration. Pourquoi est-ce que je le dis? Why do I say so? Seul celui qui est le créateur. He, only he that has a creator. C'est comme il a créé sa créature. He who has a c'est comme il a créé sa créature. He who has created his creation. Il connaît. Only the creator know his creation. Comment il a créé. As he has created. Il sait ce qu'il a mis en lui. He knows what he has put il in him. Il sait ce qu'il lui faut. And what he needs. Quand il n'est pas en place. When he's not in place. Pour réparer. To repair. Ou remplacer. To replace. Ce qu'il y a en toi qui a réparé ce matin. All that is you that needs to be repaired. Reçois la réparation maintenant. Receive your repair. Your repairs in the name of Jesus. Ce qui ne peut pas être réparé. And that which is not that cannot be repaired. Reçois maintenant un remplacement. Receive the replacement in the name of tu Jesus. Tu sortiras d'ici. You will live here. Avec les trois manières que Jésus prend pour guérir aujourd'hui. With three ways in which Jesus uses to heal. Par sa parole. By his word. Il a envoyé seulement la parole. He sent out his word. La guérison est arrivée. And healing comes. Luc 17, 17. Luke 17, 17. Luke 17, 17. Le verset 13. Verse 13. Dit les prêtres sont venus vers lui. People come to him. 10 lépreux. 10 lepers they came to him. Sont venus à lui. They came to him. Juste une parole. Just a word. Allez vous présenter au sacrificateur dans le temple. Go and present yourself to the high priest. Chemin faisant.
And I'm going. La guérison est arrivée. Healing came. La parole de Jésus vient vers toi maintenant. The word of Jesus is coming to you now. Même si tu ne sens pas ça maintenant. Even if you don't feel it now. Avant d'arriver à la maison. Before you reach the house. Tu te rendras compte. You will discover. Que cette maladie a fui sans te dire au revoir. That the sickness has gone without saying bye. Et elle ne reviendra plus jamais dans la vie. And will never come back again. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. On peut le voir encore. We can see it again. C'est même Jésus. This same Jesus. Dans Luc chapitre 6. In Luke chapter 6. 17 à 19. From verse 17 to 19. 17 à 19. 17 to 19. Il enseigna. He was teaching. Et les gens venaient écouter sa parole. And people they came to listen to him. Pour être guéri. To be healed. De toutes les maladies. Of all their sicknesses. Parce qu'une force sortait de lui. Because a force was coming et out of him. Et guérissait tout le monde. And healing everybody. Cette parole vient vers toi ce matin. This word is coming unto you. Reçois ta portion de guérison maintenant. Receive your portion of healing il now. Il guérit aussi par sa puissance. Jésus guérit aussi par sa puissance. Jesus was healing by his power. Par sa puissance. By his power. Ésaïe chapitre 61. Ésaïe 61. Isaiah 61. 1 à 2. From verse 1 and 2. Ésaïe 61. Isaiah 61. 1 à 2. From verse 1 and 2. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. He said the spirit of the Lord is upon me. Moi je vais aller. He has moi, je vais aller anywhere I go, avec cette puissance-là pour guérir. To heal. Reçois ta guérison. Receive your healing. Voilà comment Jésus-Christ dans Luc 4, 18. How Jesus in Luke chapter 4, verse 18. Luc 4, 18. Luke 4, 18. Revenant du désert. Coming from the desert. Là, il était revêtu de puissance. Was filled with anointing. Il a guéri tous ceux qui étaient malades. And he healed all those that were sick. Et sa renommée a pris de l'ampleur. And his renommée was everywhere. Sa puissance te guérit là où tu es maintenant. His power will heal you where you are now. Elle descend en toi maintenant. He comes upon you now. Jésus guérit aussi par son nom. Jesus was also healing by his name. Pas seulement par la parole. Not only by the word. Pas seulement par sa puissance. Not only by his power. Mais aussi par son nom. But also by his name. Alors comment est-ce qu'il le fait? And how does he do it? Il n'est pas là lui-même, n'est-ce pas? He is not here himself. Mais nous guérissons en son nom. But he healed by his name. Nous opérons en son nom, la guérison vient. We operate by his name and healing comment comes. Comment ça se fait? Where is it? Where does it go? Un secrétaire dans le bureau de son chef. A secretary in his office. Un secrétaire. A secretary. Fait une lettre. Will write a letter. Une note. A note. Un memo. A memo. Quand il tape cela. And when he writes it. C'est sa lettre. It is his letter. C'est son memo. It is his memo. C'est sa note. It is his note. Mais une fois que ça arrive sur la table du boss. But when it gets to the table of his boss. Et que le boss l'a signé. And the boss sign it. Ça devient la lettre du boss. C'est d'accord avec moi? It becomes the boss letter. Automatiquement. Automatically. Quand je déclare quelque chose. When God declares something. Et que je signe cela par le nom de Jésus-Christ. And God sign it by the name of Jesus Christ. C'est Jésus-Christ qui veut le faire. It is Jesus Christ operating. Je me tiens sur cela maintenant. Je me tiens sur cela maintenant. That sickness, that great physician is here now. Sous l'onction de mon père dans la maison. And by the anointing of my father in the house. Je déclare qu'au nom puissant de Jésus-Christ. I declare that in the mighty name of Jesus Christ. Cette situation concernant ta santé. That situation concerning your health. Disparaît à jamais. Disappear forever. Sa possibilité de revenir vers toi. Without any possibility to come back again. Philippiens chapitre 2. Philippians chapter 2. 9 à 11. From verse 9 to 11. Philippiens 2. Philippiens 2. 9 à 11. 9 to 11. Jésus-Christ. Jesus Christ. Est le nom au-dessus de tout nom. He's a name above every other name. C'est un nom puissant. He's a powerful name. Qui a la fois l'autorité et la puissance. That has power and authority. Et cette autorité et cette puissance agissent pour toi maintenant. And that authority and power is acting néanmoins, in your life now. Néanmoins. Meanwhile. Il faut avoir la foi. You need to have faith. Tu n'as pas de la foi. Without faith. Ça ne sera qu'une histoire pour toi. It will just be an history for mais you. Mais un vainqueur ici. There's a winner here. À la foi. With the faith. Et sera guéri totalement. And you will be healed now. Non seulement Dieu. Not only God. Mais aussi sa parole. But also and also his word. Voyons Matthieu chapitre 9. Matthieu 9. Matthew 9. 27 à 29. From verse 29. On voit comment deux aveugles. We see how the two blind. Viennent vers Jésus criant. They came to Jesus crying. Mais guéris-nous. Say, Master, heal us. Pitié de nous. Heal us. Croyez-vous que je puisse le faire? Believing what will happen. Ils ont accepté, oui.
They accepted. Ils ont reçu la guérison. And they received their healing. Si tu crois là où tu es assis maintenant, if where you are seated now, que ce fibre peut disparaître, and if you believe that that fibre can disappear, il te quitte maintenant. He will leave you now. Là où tu es assis, where you are seated, si tu crois, if you believe, que ce migraine peut disparaître pour toujours, that migraine or headache will disappear, ça part pour toujours, will go forever. Là où tu es assis maintenant, where you are seated, si tu crois que ce Jésus Christ est là, if you believe that this Jesus Christ is et here, et qui peut te délivrer, and that he can deliver you. Prends ta délivrance maintenant. Take your healing now. Ou qu'est-ce que je le dis? And that is what I say. Marc 5. Mark chapter 6. Vers 8 à 34. Marc 5. Mark chapter 5. 28 à 34. From verse 28 to 34. La femme à la perte de sang. The woman with the issue of blood. A cru en elle-même. He believed in herself. Et elle a cru au Seigneur. And she believed in the Lord. Car le touchant. And in together. En le touchant. And touching her. Qu'est-ce qu'elle a guéri? The hem of his garment was healed. Et telle a été son expérience. And telle a été son expérience. That was his her experience. Là où tu es maintenant. Where you are now. Si tu crois que Jésus est là maintenant. If you believe that Jesus is here now. Le grand médecin. The great physician. Avec sa blouse blanche. With his à côté de toi. With his white robe. Mais mieux lui quelque chose maintenant. Beside you, talking something to your ear now. Dis-lui quelque chose maintenant. Tell him something now. Pour ce que tu veux pour ta santé. For what you want about your health. Et il le réalisera pour toi. He is here for you and he will do it for si you. Si tu l'as dit. If you tell him. C'est fait. It is done. C'est fait. If it is done. C'est fait. It is done. Mais pourquoi on demande de venir à l'église? But why do they ask us to come to church? Pour recevoir la guérison. To receive healing. Parce que la maison de Dieu. Because the house of God. Est le lieu ordonné pour Dieu. It is a place ordained by le God. Le centre médical. A center of healing. Le centre de santé. Or a center of health. Comme la piscine de Bethesda. Just like the pool of Bethesda. Là où les maladies ne peuvent plus résister. Where sickness cannot resist. Jean chapitre 5. John chapter 5. 1 à 4. From verse 1 to 4. Lorsque l'ange vient secouer l'eau. When the angel will come and shake the water. La guérison s'opère. Healing will operate. Avec la parole qui sort maintenant. With the word that is coming now. L'eau est bien activée maintenant. The water is being shaken. Si tu veux ta guérison dedans. If you want your healing now. Plonge le premier. Dive first. Et reçois ta guérison. And receive your healing. C'est comme la piscine de Siloé. It is just like the solo. The pool of Siloé. La piscine de Siloé. The pool of Siloé. Là où tu peux aller. Where you can go. Allez, tu recouvres maintenant ta vue. And then your eyes are open. Jean le chapitre 9. John chapter 9. Le 1 à 7. From verse 1 to 7. Quand tu vas là-bas à Siloé, when you go to Siloé, tout ce qui était ignorant pour toi, all that was blind for you, caché pour toi avant, that was hidden from you, tes yeux seront enfin ouverts. Shall be open. C'est encore le Jourdain. It is another Jourdain. Quand tu as demandé à Naaman, when they asked Naaman, deux rois, second king, le chapitre 5, from verse chapter 5, 1 à 8, from verse 1 to 8, le roi 5, First Kings chapter 5, 1 à 8, from verse 1 to 8, plonge cette fois. He said, go and dip yourself seven times in Jordan. Mais il n'a pas su, but he never knew, que le prophète avait la révélation. That the prophet had the revelation. La révélation que Naaman souffrait de la lèpre de cette génération. The revelation was that Naaman was suffering from a leprosy of seventh generation. Il plongeait une seule fois. When he dip himself, il guérissait la première génération. He would have been healed of the first generation. Il s'arrêtait à six fois. And if he stopped at the seventh time, jusqu'à la sixième génération sera sauvé. If he just right up to the seventh generation, mais il appartient à la septième lui-même. But he belonged to the seventh il generation. Il ne pouvait pas être guéri. He wouldn't have been healed. Mais une fois qu'il a fait la septième fois, but when he entered the seventh time, il est sorti de là. He came out of that place. Purifié, sanctifié. Purified and sanctified. Je te vois plonger maintenant à l'instruction de Dieu. I see you. Dipping yourself into et the tu sors de la guérison totale. And you are receiving your total healing. Oh non, puissant de Jésus. In the mighty name of pourquoi Jesus Christ. Je le dis? In Jesus' name. Pourquoi est-ce que je le dis? Why do I say? Jésus qui est là avec son corps. Jesus Christ is here with his flesh and blood. Et son sang. His flesh and blood. C'est pour te faire du bien. Is to do you good. Dans cette table-là. On this table. Tu as la longévité. You have longevity. Tu as la force. You have strength. Tu as la santé. You have health. Tu vis comme Jésus-Christ. You live like Jesus Christ. Ton corps, ton âme et ton esprit. Your body, spirit and soul. Ta vitalité est restaurée. Your vitality is restored. Quand tu manges son corps, and when you take his body,
C'est le repas miracle que tu prends. It is a miracle meal that you are taking. Quand tu bois son sang, when you take his blood, c'est le globule blanc. It is the white hemoglobin. Spirituellement, white corpuscle. Spirituellement, certainly. Spirituellement, spiritually, qui prend une place dans ta vie. You qui prend place dans ta vie. Let it take place in your life. Et tu sors de là, and you come out of it, totalement restauré. Totally restored. Dès que tu souffres quand tu vas prendre la communion ce matin. Anyway that you're suffering when you take the communion this morning. Mais, but, mais, but, pour que cela soit totalement confirmé pour toi. For it to be confirmed for you. Il te faut la louange. You need praise. Célèbre ce Dieu là. Celebrate this God. Même si la guérison n'est pas encore palpable. Even même si tu ne vois pas encore la guérison. Even if you don't see the healing. Danse déjà que tu es guéri. Not dance the, as though célèbre déjà. Celebrate. Seigneur, him. C'est vrai que j'ai mal aux pieds. It's true that I'm mais en dansant pour toi, pains, but je te laisse avoir mal aux pieds. That pain on the leg will go. Seigneur, c'est vrai que je suis stérile. It is true that I am barren. Mais en dansant pour toi. Pressing you, dancing for l'enfant you. Entrera ici seul. The child will enter here alone. Ben, c'est vrai que je suis célibataire. Father, it is true that I'm single. Qu'aucun homme ne se présente. That nobody is coming. Mais en dansant pour toi but maintenant. Dancing for you now. Mon mariage glorieux aura lieu. My glorious marriage will come to pass. Célèbre ce Dieu-là. Celebrate this God. Et tu recevras ta part de bénédiction. And you will receive your quelqu'un own a été béni ce matin. Quelqu'un a été béni ce matin. Somebody is blessed this morning. Tu t'es bien maintenant, lève-toi. May you put your hands together for the Lord. Rise up on your feet this morning. Rise up on your feet. Ce Dieu ne guérit pas seulement le corps, l'âme et l'esprit. The who does not heal, who does not heal only body, spirit and soul. Il guérit aussi tes finances. He also heals your finances. Tes émotions. Your emotions. Ta santé intellectuelle. Your health, intellectual health. Ce matin, il est là devant toi. This morning, he is here before you. Mon enfant, viens en moi. Then my son, come unto me. Je te donnerai la guérison totale. I will give you total healing. Je sais maintenant que demain, tu as besoin de la guérison. This doesn't say that tomorrow, I'll need healing. Je ne sais pas dans quel domaine. I don't know in what domain that you need healing. Tu as besoin de la guérison. That you need healing. Peut-être dans tes émotions. Maybe in your emotion. Dans ton intellectuel. Or maybe in your mind or intellectually. Ou bien dans tes finances. Or maybe in your finances. Ton âme, ton corps, ton esprit. Or your body, your spirit, your soul. Il est là pour toi maintenant. Is he easier for you now? Accepte-le simplement. Accept him. Tu seras guéri. And you will be healed. Celui qui était avec lui avant. He who was with you before. Celui qui était Jésus avant. He who was with Jesus before. Et qui a regardé un peu en Égypte là-bas. Maybe has looked back into Egypt. Qui a fait encore un tour à Sodome et Gomorrhe. Maybe you have gone back to Sodom and Gomorrah. Qui est parti encore dans le pays interdit. Or that you have gone into that the forbidden country. Où qu'on dit notre père ici. But comme dit notre Père ici, like our father here says, dans le supermarché de Satan, that in the, il est là ce matin pour toi, of the devil, pour donner la seconde chance. We will give you the second chance. Lève ta main là où tu es. Lift up your hand where you are. Demande à ce Dieu te guérir maintenant. And ask this God to heal you. Peu importe le genre de maladie que tu as. Whatever sickness you're having. On peut l'appeler la tuberculose en phase terminale. They may call it tuberculosis at the last stage. Le cancer. Ou cancer. Le VIH. Ou HIV. C'est le grand médecin. He is the great physician. Aucun cas n'est impossible à lui. There is no case that is impossible. Avez-vous fait la prière là maintenant? With this prayer this morning. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Je viens à toi. I come unto you. Tel que je suis. Just as I am. Un malade. As sick as I am. Je pleure à toi. I come unto you. Pour ma guérison. And for my healing. Reçois mon âme. Receive my soul. Mon esprit. My spirit. Mon corps. My body. Et guéris-les. And heal me. Et fais de moi. And make me. Une nouvelle créature. A new creature. Dans ton royaume. In your kingdom. Amen. Amen. Si tu l'as fait comme prière. If you have made this prayer. Félicitations. Congratulations. Viens devant maintenant. Célébrons-les. Celebrate. Si tu as fait la prière, viens devant. Come in front, we want to pray for you. L'homme de Dieu est là pour vous. Come in front, the great physician is here. Venez vite devant. If you want to give your life to Christ, come in front. Come in front. Ceux qui ont fait la prière, venez. Ceux qui ont levé la main pour la prière, venez. Merci Seigneur. Celebrate the Lord as they are coming. Ceux qui ont fait la prière, venez vite devant. Those who are Jésus est là pour toi. Come in front. N'hésite pas. Pour que le diable ne vienne pas voler la santé. Don't resist. Come in front. Ne donne pas la santé au diable. Ne donne pas l'opportunité au diable. Don't give the opportunity to the devil. De voler encore la santé. To take your sickness. Viens devant. Your healing again. Viens recevoir la confirmation. Come in front for your confirmation. Viens recevoir le sceau. Come and receive the seal. De la santé parfaite. Of perfect health. Viens maintenant là où tu es. Come where you are. Ne laisse pas le diable voler encore. Do not give the devil
a chance. Coming from. He's a thief. Il te demande aux oreilles. And he's talking to your ear. Ne l'écoute pas. Don't listen to him. Viens. Come. Père, merci. Father, we thank you. Pour tes fils et filles qui sont là. For your sons and daughters are here. Seigneur, reçois-les. Lord, receive them. Établis-les dans la parfaite santé. And establish them in good health. Et même faire la maladie dans la vie pour toujours. And that the sickness go away forever. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Nous les déclarons tous nés de nouveau en tant qu'Église. We declare as a church. Né de nouveau, born again, établi dans ta maison, establish your house, dans la santé parfaite, in good health, au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus et le nom Christ. Dans le livre de vie, and your name is written in the book of life. Amen. Amen. Félicitations mes frères et mes sœurs. Félicitations à vous. Congratulations to que you. Dieu vous bénisse. In the name of les frères s'occuperont de vous là-bas. Merci. Accueillez-moi à recevoir oui, l'homme de Dieu à la maison. Hallelujah. Amen. Somebody blessed by that powerful word, give the Lord a big clap si of praise. Si quelqu'un a été béni par cette parole puissante qui l'offre une offrande d'acclamation à l'Éternel. He sent his word. Il envoya sa parole. And the word healed us. Et sa parole nous guérit. And the word delivered us. Et la parole nous fait échapper. Psalm 107, verse 20. And the beginning was the word. Au commencement était la parole. And the word was with God. La parole était avec Dieu. And the word was God la même himself. Parole était Dieu lui-même. So the word you have received now, donc la parole que vous avez reçue, is God Jesus himself you have received. C'est Jésus personnifié que vous avez reçu. The Spirit enter into me. Lorsque l'Esprit entra en moi, lorsqu'il m'eut adressé ses paroles, Ézéchiel 2:2. So the spirit that have entered you now, donc l'Esprit qui vient de pénétrer vos corps, is the power of God. C'est la puissance de Dieu. Is the power of God. C'est la puissance de Dieu. Upholding everything. Concernant, supportant toutes choses. By the power of his word. Il soutient toutes choses par la puissance de sa parole. Somebody's health is restored. La santé de quelqu'un ici est restaurée. Someone's glory is restored. La gloire de quelqu'un ici est restaurée. Another destiny is restored. La destinée de quelqu'un ici est restaurée. Someone covenant with death is averted. L'alliance de quiconque ici avec la mort est annulée. If indeed you have received God's word, si en effet vous avez reçu la parole you de Dieu, have received your testimony, vous avez reçu votre témoignage. Just say, Father, thank you. Levez les mains au ciel en disant Père merci. Say, Father, thank you. Dites-lui Père merci. Hallelujah. Amen. Now give the Lord a big clap of praise. Une offrande d'acclamation pour l'Éternel. Comfortably have your seat. S'il vous plaît, asseyez-vous confortablement. Amen. Amen. That is direct word from heaven. Et ça, c'était une parole forte du ciel. And somebody is transformed today. Et quelqu'un parmi nous ici est transformé. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. And the word of God is the light of God. Et la parole de Dieu c'est la lumière de Dieu. And the light shines in darkness. La lumière lui dans les ténèbres. And darkness comprehend not. Et les ténèbres ne peuvent pas la contenir. Darkness comprehend not. Les ténèbres ne peuvent pas la contenir. What is darkness? Mais qu'est-ce qu'on appelle ténèbres? What ever is not God. Tout ce qui ne vient pas de Dieu is darkness. C'est ce qu'on appelle ténèbres. Sicknesses are darkness. La maladie c'est des ténèbres. Diseases are darkness. Les maladies sont des ténèbres. Poverty is a darkness. La pauvreté fait partie des ténèbres. Oh, don't you know poverty is a sin? Ne savez-vous pas que la pauvreté est une maladie? C'est un péché. You are not a sinner because you are poor. Vous n'êtes pas pécheur parce que vous êtes pauvre. No, the spirit of poverty that is oppressing you is a sin. L'esprit de pauvreté qui opprime vos vies, c'est ça le péché. So don't mistake me by saying anybody that is poor is a sin. No. Non, ne pensez pas, ne vous méprenez pas quand je dis que tous ceux qui sont pauvres sont pécheurs, non. You are the righteousness of God. Vous êtes de la justice de Dieu. So Satan has used his sin of poverty to oppress you. C'est pourquoi Satan a utilisé le péché de la pauvreté pour opprimer vos vies. Aujourd'hui. Today. Aujourd'hui. Even today. You are coming out of that dungeon. Vous sortez de cette prison. Anyone
anyone under any form of affliction. Quiconque subissant la moindre affliction. Aujourd'hui, today, you are coming out of that affliction. Vous sortez de cette affliction. Say how God anointed Jesus Christ of Nazareth. Mais vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth? With Holy Ghost, le Saint-Esprit, and with power, et de force. Acte 10:38. Then he went about doing good. Alors il allait de lieu en lieu faisant du bien. So what is good? Mais qu'est-ce qu'on appelle bien? Good means correcting bad. Bien signifie le mal corrigé. When you say somebody is going about doing good, lorsqu'on dit que quelqu'un va de lieu en lieu faisant du bien, you mean the person is going about correcting bad. Cela veut dire que la personne a dans ces, va dans ces lieux-là pour corriger le mal. And sickness is bad. Et la maladie est mal. He went about doing good. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Beloved, hear me. Mes bien-aimés, écoutez right bien. Where you are there, là où vous êtes assis, Jesus is right by you. Jésus est à vos côtés. He's right by you. Il est à vos côtés. Somebody say, Pastor, what do you mean? Quelqu'un va dire, Pasteur, tu veux dire quoi par là? He said, behold, I stand by the door of your heart. Il dit, voici, je me tiens devant la porte de ton cœur. If any man opens, si quelqu'un ouvre quand I je frappe, will come in. J'entrerai. Jesus is coming in, huh? Jésus entre maintenant. Ah! Hey! Hey! Jesus cannot come in. Jésus entre maintenant. And sickness is staying. Il ne peut pas entrer et voir la maladie rester. Jesus come in. Jésus entre. Sickness check out. La maladie disparaît. You cannot give one room to two occupants. Vous ne pouvez pas donner une chambre à deux personnes. No. Mm-mm. One have to check out. Il faut qu'une des deux personnes sorte. For another to check in. Pour que l'autre puisse posséder la chambre. Our Father. Notre Père. The apostle over this commission. L'apôtre établi sur la commission. He went to a foreign country. Il est allé dans un pays étranger. Then the hotel he was to lodge. Et l'hôtel où il devait loger. As he checked in. Lorsqu'il a fait ses formalités d'enregistrement. There was this notorious witch. Witch. Il y avait une sorcière reconnue. International witch. Sorcière internationale. She entered the country, the hotel, with celebration. Elle est entrée dans cet hôtel en étant célébrée. Immediately, Bishop Oyedepo checked in. Mais dès que l'évêque Oyedepo a foulé le sol de cet hôtel, she passed the back door to check out. Elle a repris le chemin inverse pour sortir de l'hôtel. Unceremoniously. Et sans la moindre cérémonie. Because light and darkness cannot coexist. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter. Somebody under the sound of my voice. Quelqu'un écoutant le son de ma voix maintenant. Jesus said, I am standing by your heart now. Jésus dit, je suis devant ton cœur maintenant. Open for me to come in. Ouvre pour que j'entre dans ce cœur. Once Jesus come in. Quand Jésus entrera. That devil will check out now unceremoniously. Ce démon sortira de votre vie sans cérémonie. HIV/AIDS is checking out now. Le VIH/SIDA sort de votre vie maintenant. Barrenness is checking out now. La stérilité sort de votre vie maintenant. Untimely death is checking out now. La mort prématurée sort de vos vies maintenant. Marital spell is checking out now. Ces enchantements sortent maintenant. The demon of poverty is checking out now. Le démon de la pauvreté sort de votre vie maintenant. I am standing by your door. Je me tiens devant ta porte. Open for me to come in. Ouvre et j'entrerai. Rise on your feet. Levez-vous tous. And say, Master Jesus. Et dites, Maître Jésus. The great physician. Le grand médecin. I open up the door of my heart. J'ouvre la porte de mon cœur. The door of my spirit. La porte de mon esprit. The door of my soul. La porte de mon âme. The door of my body. La porte de mon corps. Come in, my Lord Jesus. Entre, Maître Jésus. Come in, my Lord Jesus. Entre, Maître Jésus. I open up for you to come in. J'ouvre ma porte pour que tu entres. Yes. Allow him to check in. Laissez-le entrer. That affliction is checking out. Cette affliction sort. That generational curse is checking cette out. Cette malédiction générationnelle sort. That covenant with death is checking cette out. Cette alliance avec la mort sort. That forces of failure is checking out. Cette force de l'échec sort de vos vies. Allow him to
check in. Laissez Jésus entrer. Allow him to check in. Laissez Jésus entrer. Allow him to check in. Laissez Jésus entrer. Allow him to check in. Laissez Jésus entrer. Yes, yes, yes. Oui, yes. Oui, 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 oui. Hey! Hey! Hey, let it take over your kidney. Laissez Jésus s'occuper de vos reins. Let it take over your bloodstream. Laissez Jésus s'occuper de votre sang. Let it take over your brain. Laissez Jésus s'occuper de votre cerveau. Let it take over your bloodstream. Laissez-le s'occuper de votre sang. Let it take over your cells. Laissez-le s'occuper de vos cellules. Jesus, take over. Jésus prend le contrôle. Jesus, take over. Jésus prend le relais. Jesus, take over. Jésus prend le contrôle. Jesus, take over. Jésus prend le relais. Jesus, take over. Jésus prend le contrôle. Yes, 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 oui, yes. Oui, oui. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. He said, for this purpose. Il dit, c'est pour ce but. The Son of Man came. Que le Fils de l'homme est venu. That he will spoil the works of the wicked. Afin de détruire toutes les œuvres du diable. Every word of the wicked. Toute œuvre du diable. Around your life. Dans vos vies. I command this point now. Je décrète leur destruction maintenant. Je décrète leur destruction maintenant. Dans le nom de Jésus. Somebody is free. Quelqu'un ici est libéré. I was waiting to hear what the Lord will say concerning the Holy Communion. Alors que j'attendais que l'Éternel m'inspire au sujet de la Sainte Cène. After Elisha has received the mantle. Une fois qu'Élie avait reçu le manteau. Second Kings chapter 2. De Rois chapitre 2. And he came to Jericho. Il s'approche de Jéricho. And they said to him. Et là on lui dit. You can see everything. Tu peux tout voir. Say, but our water. Mais nos eaux. Is bitter. Nos eaux sont amères. It's bitter. Nos eaux sont amères. And because of that, et à cause de ça, nothing is good for us. Rien de bon n'est produit dans cette terre. And he asked for salt. Et là, il a demandé du sel. And they gave to him. On lui donne du sel. And he went to the foundation of the river. Il est allé au tréfonds de la rivière. And he said, "Thus says the Lord." Il a dit, ainsi parle l'Éternel. Be healed. Soyez guéri. And he poured it. Et il verse le sel. Immediately poured it. Et lorsqu'il a versé le sel, the water was healed. L'eau a été purifiée. How can just salt? Comment pouvez-vous imaginer du sel? Heal a whole river of a nation. Purifier toute une rivière. The mystery of God. Un mystère de Dieu. Whatever the devil has planted into your life. Quel que soit ce que le diable a planté dans vos vies. Whatever the devil has deposited into your life. Quel que soit ce que le diable a déposé dans vos vies. By this holy communion now. Par cette sainte scène aujourd'hui. As you partake now. En prenant part aujourd'hui. You are healed. Vous êtes guéri. You are healed. Vous êtes guéri. You are healed. Vous êtes guéri. Somebody here, you are standing for someone. Il y a quelqu'un ici qui se tient à la brèche pour un de ses proches. Whom the devil arrested with the spirit of insanity. Qui a été enchaîné par le diable par l'esprit de folie. As you take the holy communion. Mais lorsque vous prendrez la communion. To that brother you are standing for. Pour le frère pour lequel vous vous tenez à la brèche. That spirit of insanity disappears. Cet esprit de folie va disparaître. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Whatever is killing your destiny. Quel que soit ce qui détruit vos destinées. By this holy communion table. Par la table de la Sainte Cène. There is a restoration for you. Vous connaîtrez une restauration. There is restoration for you. Il y aura restauration pour vous. There is restoration for you. Il y a restauration pour vous. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. As you partake in this holy communion table. En prenant part à la table de communion. Something will jump out of you. Quelque chose sortira de votre corps. And I heard in my spirit again. Et j'ai entendu dans mon esprit. They were eating. Ils mangeaient. The sons of the prophets. Les fils du prophète. While they were eating. Et pendant qu'ils mangeaient. They discovered there was poison inside. Ils ont découvert qu'il y avait du poison dans la marmite. And with that poison. Et avec ce poison. They are the next thing for them to die. La prochaine étape c'était la mort. And they say, Master. Et ils ont dit maître. We are dead. Nous sommes morts, nous mourons. There is poison inside. Parce qu'il y a le poison dans la marmite. And he took a fresh one. Il a pris
and turn inside. De la farine. The mystery of heaven. Qu'il a versé dans la marmite. Un mystère du ciel. And the poison disappeared. Et le poison était neutralisé. Anyone under poison. Quiconque a bu du poison. Spiritual poison. Poison spirituel. Whatever the present poison in your system. Quel que soit le poison dans votre corps. By this holy communion table. Par la table de la Sainte Seine. The poison disappears. Ce poison est neutralisé. The poison disappears. Le poison est neutralisé. The poison disappears. Le poison est neutralisé. Under the prison of Jesus. In the name of Jesus. Satanic property. Quel que soit le bien satanique ou l'objet satanique, you have purchased ignorantly, que vous avez acheté dans l'ignorance, in satanic supermarket, dans un supermarché satanique, by the mercies of God, par la compassion de Dieu, as you partake in this holy communion table, alors que vous vous connecterez à cette table de la Sainte Seine, that property disappears. Cet objet disparaît de vos vies. The effect expires. Leur effet va expirer. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Anyone, quiconque, whether in physical, que ce soit physiquement or in spiritual, ou spirituellement, that have a mark you for destruction, qui vous a ciblé pour la destruction, by this holy communion table, par la table de la Sainte Seine, operation back to sender. Ce sera l'opération retour à l'envoyeur. L'opération retour à l'envoyeur. L'opération retour à l'envoyeur. Dans le nom de Jésus. Je pense que j'ai partagé ce témoignage avec vous. Ils disent que dans leur temple là-bas, ils avaient déjà fini de manger l'enfant. Et l'enfant était une sorcière. She joined them in eating her elder brother. Elle s'est joint à eux pour manger son grand frère. Under the supervision of the grandmother. Sous la supervision de leur grand-mère. And the mother was a Christian. Et la maman, elle était chrétienne. So after they have eaten his elder brother. Après avoir mangé le grand frère. So they now ate her. Ils ont fini par la manger elle-même. Then the woman discovered that I just came into the nation. Et je venais seulement dans le pays. The woman discovered the same pattern the son sick and died about 4 months ago. La mère a découvert que de la même façon que son fils aîné venait de mourir en passant par la maladie. All the symptoms started manifesting in her daughter of about 9 to 11 years. Tous les mêmes symptômes ont commencé à se reproduire dans la vie de sa fille de 9 ou 11 ans. I was less than a week in that nation. Et je venais d'arriver il y a une semaine seulement dans le pays. She brought the child to me. Elle m'a amené la fille. In the process, et dans le processus, I discovered the child have already eaten her, enjoying eating her brother. J'ai découvert à ce moment que la fille avait elle-même mangé son grand frère. And they said they have already eaten her. Elle a avoué qu'elle avait déjà mangé. Et là, elle m'a dit qu'elle venait d'être mangée par les autres. I simply tell her, tell God you are sorry for what you did. You did it in ignorance. Et je lui ai dit, réponds-toi aux yeux de Dieu et dis-lui que tu l'as fait dans l'ignorance. And after that, et après ça, and I told them, je leur ai dit, Jonah was 3 days swallowed. Jonas a été englouti dans le ventre du poisson 3 jours durant. So he was vomited. Et le poisson l'a vomi. So which means, cela veut dire, whatever the devil have already swallowed, quel que soit ce que le diable a déjà avalé, scripturally, selon les Écritures, I have the mandate to call it out. J'ai le mandat de l'appeler pour qu'il sorte. I spent 3 years. We spent 3 years and 1 month in that nation. Nous avons passé 3 ans et 1 mois dans le pays. This little girl was still bouncing in the Lord. Cette petite fille était en train de surfer dans le Seigneur. The spirit of witchcraft left her. Et cet esprit de sorcellerie avait quitté sa vie. She that already eaten the spirit realm. Celle qui avait déjà été dévorée dans le monde spirituel. Was vomited. A été vomie du ventre de ce poisson. Écoutez bien. Whatever, wherever, whatever they have eaten up from you. Quel que soit ce qu'on a mangé whatever dans votre vie. Whatever part they have eaten up in you. Quel que soit la partie de votre corps qui a été mangée. As you drink this holy communion today. En prenant la Sainte Seine aujourd'hui. I command it to vomit you. Je déclare que cela soit vomi. I command it to vomit your glory. Je déclare qu'il vomisse votre I gloire. I command it to vomit your health. Je déclare qu'il vomisse votre I santé. I command it to vomit your destiny. Je déclare qu'il vomisse votre destinée. I command it to vomit your promotion.
promotion. Je déclare qu'il vomit votre promotion. I command it to vomit your children. Je déclare qu'il vomit vos enfants. I command it to vomit your marital settlements. Je déclare qu'il vomit votre promotion. Oh no, prison de Jésus. In the mighty name of Jesus. The light shines in darkness. La lumière luit dans les ténèbres. Darkness comprehends not. Mais les ténèbres ne pourront jamais la contenir. Whatever the darkness has spoiled in your life. Quels que soient les dommages causés par les ténèbres dans vos vies. I command a restoration. Je décrète une restauration. As our pastor was teaching, he told you. Lorsque le pasteur prêchait, il vous a dit. What cannot be repaired. Ce qu'on ne peut pas réparer. Is replaceable. Est remplaçable. Whatever the devil has damaged beyond repair in your life. Quel que soit ce que le diable a endommagé sans possibilité de réparation. By this holy communion table. Par la table de la communion. There is supernatural replacement. Il y a un remplacement surnaturel. Un remplacement surnaturel. Un remplacement surnaturel. Oh, no, prison de Jésus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Merci Seigneur. 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 I think you have opened the door of your heart for Jesus to enter. Je pense et je suis convaincu que vous avez ouvert la porte de vos cœurs pour que Jésus entre. But tomorrow. Demain. Go back to the lab. Repartez dans cet hôpital. That sickness, that affliction, that devil has completely disappeared. Cette affliction, cette maladie diabolique aura totalement disparu. What you cannot do before. Ce que vous n'arriviez pas à faire avant. Begin to do it now. Vous commencerez à le faire maintenant même. On countless occasions. En plusieurs occasions. People will tell me that their waist was break. Plusieurs personnes me disaient qu'ils avaient le dos cassé. That they can't bend. Ils n'arrivaient plus à se pencher. Instantly they will start bending. Et à l'instant même, ils se mettent à se courber. People have removed their glasses. Certaines personnes retiraient même leurs lunettes. They start seeing clearly. Et ils se mettent à voir de façon claire. People cannot look back before turn back. Il y a des gens qui n'arrivaient pas à tourner leur tête correctement. Restoration. La restauration. A moving object. Un objet qui circulait en eux. They are disappearing now. Des objets qui circulent en vous disparaissent maintenant. Anyone under the sound of my voice. Quiconque entend le son de ma voix. A moving object in your body. Et qu'il y a un objet qui circule dans son corps. Il sort maintenant. Il sort maintenant. Vérifiez, vérifiez maintenant. Vérifiez votre corps. Maintenant. Check out. Vérifiez, sortez. Upon Mount Zion, sur la montagne de Sion, là il y a la délivrance. The house of God is not a religious house. La maison de Dieu n'est pas une maison religieuse. It's a house of power. C'est une maison de puissance. It's a house of dominion. C'est une maison de domination. It's a house of restoration. C'est une maison de restauration. Be restored. Soyez restauré. Be restored. Soyez restauré. Be restored. Soyez restauré. Be restored. Soyez restauré. Oh Lord, puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Merci Seigneur. It's already working. Cela agit déjà. Walking. Cela agit déjà. Cela s'opère déjà. Walking. Cela déjà agit. Walking. Cela opère déjà. Walking. Cela agit it's déjà. Walking. Cela agit déjà. I declare what he asked me to declare. Je déclare ce qu'il me demande de déclarer. So whoever opened up, receive it. Donc quiconque ouvre la porte le recevra. In Jesus name. Dans le nom de Jésus. Father, we thank you. Papa, merci. For this holy communion table. Pour la sainte scène. For the privilege to partake in the blood of Jesus. Pour le privilège d'être bénéficiaire du sang de Jésus. The body of Jesus. Seigneur, le corps et le sang de Jésus. This table is declared blessed. La table est déclarée bénie. It is now the true blood of Jesus. Le vrai sang de Jésus. And the true body of Jesus. Et la chair même et le corps même de Jésus. Father, we believe this. Père, nous y croyons. To be the body of Jesus. Et nous croyons que c'est le corps de Jésus. Broken for us. Qui a été brisé pour nous. For us to be restored. Pour que nous soyons restaurés. Thank you, Lord. Merci, Papa. Father, we believe this. Papa, nous croyons. To be the blood of Jesus. Que c'est le sang de Jésus. The blood of our dominion. Le sang pour notre domination. That restore our victory. Qui va restaurer notre victoire. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus name. Dans le nom de Jésus. So what you do? Donc qu'est-ce que vous allez faire? You take it. Vous prenez. After taking it. Après avoir pris la communion. You jump on your feet. Vous sautez sur vos pieds. And celebrate your victory. Et vous célébrez votre victoire. If you know indeed God have done the wonders for you. Si vous croyez que Dieu a effectué cette merveille dans vos vies. You jump and celebrate your victory. Alors vous allez célébrer votre victoire. You are blessed. Vous êtes béni. Have your seat. Asseyez-vous.
Hallelujah.